Salut salut, et bien retour sur cet excellent jeu Super Smash Bros Brawl et son mode aventure qui est juste incroyable, l'émissaire subspatial. C'était donc un jeu que je vous avais proposé il y a très longtemps sur la chaîne, c'était au début de la chaîne. Et donc je me suis dit, comme j'ai envie d'y rejouer, bah, que j'allais vous reproposer ce mode aventure, mais cette fois en mode défi. Donc je vais tenter de réussir à faire pas mal de niveaux, mais sans mourir. Alors je ne sais pas encore si je me permets de perdre une vie, c'est-à-dire à chaque fois qu'on perd un personnage, il y en a un autre qui prend la relève, jusqu'à temps qu'on n'ait plus du tout de vie. Donc je ne sais pas. Soit on essaiera de faire vraiment sans perdre un personnage, ou sans perdre une vie. On verra bien, d'ailleurs, de votre côté, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, je me suis également dit que j'allais refaire ces vidéos, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont découvert la chaîne récemment, et qui n'ont peut-être pas forcément eu l'occasion de voir les anciennes vidéos que j'ai faites. Donc, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer, donc pour les nouvelles personnes qui n'auraient pas vu ce style de vidéo, et bien que Super Smash Bros. Brawl est parfaitement jouable, ou du moins assez jouable en étant non-voyant. Je vais de temps en temps réexpliquer mes astuces. Et pour les personnes qui auraient déjà vu ces vidéos, et bien écoutez, j'espère que ça vous plaira de revenir sur ce jeu et de me revoir jouer avec ma façon assez étrange. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de revenir sur ce jeu qui est non seulement excellent, mais qui a également un sound design juste exemplaire. Pour moi, il est limite supérieur à Super Smash Bros Ultimate, donc c'est pour vous dire. Donc déjà, la première astuce, c'est ceci, ce petit bruit, qui signifie que je suis contre un mur. Donc là, j'ai le choix. Soit je vais voir s'il y a un autre passage ailleurs, soit j'essaie de sauter pour grimper, ou soit j'essaie de descendre. Là, évidemment, comme je sais ce qu'il faut faire, eh bien, je monte. Hop, et là, il faut récupérer ce petit objet qui nous permet ensuite de continuer. La toute première fois ici, je savais pas qu'il fallait récupérer l'objet. Moi, j'étais parti complètement à droite et j'étais sorti de l'écran. Donc là, c'est impératif de récupérer l'objet pour que la suite du niveau soit faisable. Ensuite, autre astuce très importante dans ce jeu, écoutez bien le son que va faire Pete. On entend qu'il est à droite de l'écran, un petit peu hors écran. Et bien ça, dans ce jeu, ça signifie qu'il y a une porte. À chaque fois qu'on sera un petit peu hors écran, ça voudra dire qu'il y aura souvent des portes à emprunter. Et là, une cinématique. Enfin, je me souviens à l'époque, vous aviez tous participé dans les commentaires pour décrire les cinématiques, c'était juste excellent. Ça faisait vraiment plaisir, ça. Il y avait des commentaires de partout. Alors là, je crois que c'est le gros vaisseau spatial qu'on entend. Je ne sais pas si c'est l'Albert, justement. Et après, on va entendre les espèces de créatures gélatineuses. Allez, voilà. Et Pete qui est prêt à en découdre en bougeant ses lames. Et là, c'est parti, on va devoir éliminer tout le monde. Oh, je suis géant. Alors, ça va être génial, ça. Ah oui. C'est compliqué quand on est géant. Mais c'est excellent. Le coup de l'hélice. Oh, bah c'est déjà terminé. Oh, j'ai rien compris et je crois que les monstres non plus. Alors, vous avez dû entendre, pendant que je parlais, un espèce de gros bruit. Eh bien, ça signifie que les monstres ont tous été éliminés et que je peux donc avancer maintenant. Donc, c'est parti. On avance. Faut faire super attention à ces jeteurs d'électricité. Ils sont horribles. Un autre. Bah alors. Hop, protection. Et je l'ai éliminé. Parfait. C'était pas mal. Je suis pas obligé de les tuer. Hop, on va continuer. Donc à l'époque où je faisais ces vidéos, c'était en totale découverte. Oh magnifique, il m'a permis de... Hop, on va tuer ce machin. Et voilà. Alors lui, il a rien compris. Donc oui, je disais qu'à l'époque, c'était en totale découverte, je découvrais les niveaux et je montrais justement comment je faisais pour découvrir. Là, évidemment, comme je les ai déjà fait, bah, je sais ce qu'il faut faire. Donc là, on a entendu qu'on était hors écran, et je vais faire réécouter encore. Voilà, on entend qu'on est à droite, donc il y a forcément une porte. C'est, on va dire, à 90% fiable. Elle est où, cette porte maudite? Attendez, c'est encore de la sorcellerie de Morgul, ça. Hop. Ouais, les portes, c'est pas facile à trouver parce qu'il faut bouger le joystick vers le haut. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi. Ah, et voici Mario. Donc là, Mario va rejoindre mon équipe. Donc si Pete meurt, ce sera Mario qui prendra la relève. Et une fois que tous les personnages seront morts, eh bien là, je perdrai une vie. Et c'est parti! Ah oui, là on va être dans les nuages. J'aime pas trop ce passage parce que on tombe. Alors là il faut descendre, mais pas trop. Hop. Oh, on a failli se faire électrocuter. Très bien. Hop. Est-ce qu'il faut descendre encore? Oh non.
Ça va? Oui! Oh la chance! Oh! Heureusement qu'on s'est pris une flamme! C'était du feu, hein! Parce que sinon j'étais bon à sortir de l'écran. Hop! On esquive le jeteur d'électricité. Oh, comment on s'est rattrapé! Hop! C'est parfait, ils vont m'éjecter là où est-ce qu'il faut. Quand on passe par-dessus cette espèce de mécanisme étrange là. Raté, monsieur! Waouh, waouh, waouh! C'est pas bon du tout ça! Parfait! Des jeteurs d'électricité! Faut que je les élimine! Encore! Parfait! Je l'ai eu! Pas mal du tout! Oh la chance! Heureusement que j'ai balancé cet objet! Derrière! Excellent! Hop! Et à droite! Oh, j'ai tellement maîtrisé! Ça fait plaisir! Attends, tu vas voir toi! Tiens! Tiens! Et tiens! Allez, la pause! C'était magnifique! Hop, on se fait propulser complètement à droite de l'écran. Et là, encore une fois, on entend que je suis à droite, un peu hors écran, donc il y a une porte. Et nous avons réussi le premier niveau avec Pete et Mario sans problème. Ça, c'est vraiment excellent. Bah écoutez, je sais que c'est pas très très long, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo, et juste histoire de voir un petit peu comment vous allez l'accueillir. Pour les personnes qui auraient déjà vu, est-ce que ça vous intéresse? Pour les personnes qui n'ont pas encore vu ce style de jeu faisable en étant non-voyant, est-ce que ça vous intéresse également? Donc dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez également des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, pour les personnes qui s'interrogent, eh bien n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis merci à tous et à la prochaine, et si ça vous plaît, eh bien on continue. Moi en tout cas, je vais continuer de mon côté. Allez, merci à tous, salut.